Mon heure sort, c'est en Jésus que Dieu pardonne. La vie éternelle, il a donné. Pourquoi donc te craindrais-je au monde? Nous avons su que, Seigneur, nous sommes le fruit de ta pensée. Nous sommes le fruit de ton amour. Oui, tu as pensé, Éternel, notre Dieu, et tes mains nous ont créés. Tes mains nous ont formés, Seigneur. Quel beau jour de savoir qu'un Sauveur est mort pour nous à la croix. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu. Nous savoir aimer de toi nous rassure. Nous savoir, Éternel, notre Dieu, aimer de toi est une assurance. Une assurance que quand bien même tout va mal, le Seigneur est présent. Que son amour est grand pour nous. À cause de son amour, il ne nous abandonnera jamais. À cause de son amour, il nous prendra toujours en charge. À cause de son amour, il ne nous laissera pas nous perdre. À cause de son amour, l'Éternel. Oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. À cause de son amour pour nous, le Seigneur a donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus-Christ, son Fils. Que n'est-il pas capable de nous donner à cause de son amour pour nous? Il ne nous a pas refusé la vie éternelle. Il ne nous refusera pas ce que nos lèvres lui demandent ce soir. À toi la gloire, Éternel notre Dieu, la puissance et la majesté pour des siècles et des siècles. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées par la connaissance de Dieu en ce vendredi 26 juin 2020. Nous voulons commencer notre temps de prière, bien-aimés, nous ouvrons nos Bibles dans les livres des psaumes. Le psaume 31. Psaume 31, le verset 20. J'ai la version du Sémeur. La version selon la Bible du Sémeur, psaume 31, 20. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve en faveur de ceux qui te craignent et que tu répands et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi,
au vu de tous les hommes. Combien est grande la bonté que le Seigneur tient en réserve pour ceux qui le craignent. Oui, bien-aimés, ce soir, je voudrais reconforter une personne que malgré les situations compliquées que tu es en train de traverser, malgré les problèmes, les difficultés, les afflictions, les persécutions de toute nature, il y a un lot, il y a un quota de la bonté que le Seigneur réserve pour toi. Il y a la bonté que le Seigneur réserve pour toi, malgré les différents problèmes que tu peux avoir. Et cette bonté, le Seigneur nous dit qu'il est celui qui vient la répandre sur ceux qui s'abritent en lui. Oui, bien-aimé. Oui, cette bonté que le Seigneur a cachée derrière tes problèmes, derrière nos afflictions, mais que le Seigneur vient révéler au bon moment. Et c'est là à la vue de tous les hommes. Oui, il y a un quota. Il y a de la bonté en réserve pour toi. Par rapport à la situation que tu traverses, le Seigneur te réserve un lot de bonté. Cependant, bien-aimé, pour le bien qu'il nous a fait de nous accorder la vie, en ce soir, élevons nos voix et disons-lui merci. Il y a de la bonté en réserve, mais il nous a manifesté sa bonté pour ce jour. Oui, bien-aimé, élevons nos voix, disons merci à notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu, à cause de ta bonté. Ah oui, bien-aimé, l'Éternel est celui qui nous réserve la bonté, mais il est celui qui renouvelle cette bonté jour après jour. Il nous a renouvelé le souffle de vie, il nous a renouvelé l'être et les mouvements, sa grâce. Il est celui qui a pris soin de nous, il nous a protégés. Dans les dangers, le Seigneur nous a épargnés. Dans la maladie, nous avons vu sa main. Cette maladie qui a emporté tant de monde ne t'a pas emporté toi. Oui, cette maladie a peut-être secoué dans ta famille. Elle a peut-être emporté quelqu'un dans ta famille. Mais le Seigneur renouvelle ses compassions envers toi. Il est celui qui console ton cœur. Il est celui qui te donne une joie. Il est celui qui te donne la paix que le monde ne peut donner. Oui, bien-aimés, bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait de venir dans sa présence. Oui, il y a d'abondante joie dans la présence de notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu pour ce temps éternel, ô Dieu, que tu nous donnes de venir dans ta présence. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, bien-aimés, l'Éternel a en réserve pour toi la bonté. Ah, il n'a pas en réserve la colère, mais il a en réserve la bonté. Et il va révéler cette bonté pour toi au moment opportun. Au fur et à mesure, dans les problèmes, dans les difficultés, le Seigneur va libérer petit à petit ce quota de bonté qu'il a en réserve pour toi. Et c'est là au vu de tous les hommes. Ah, tous sauront et tous verront que tu as un Dieu merveilleux. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Et à cause de cette bonté, il est celui qui dit dans Ésaïe chapitre 43, Ésaïe 43, le verset 25, le Seigneur est en train de se présenter. Ésaïe 43, verset 25, le Seigneur est en train de dire, car c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi-même. Et c'est moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alors que nous voulons nous approcher de Dieu ce soir, nous voulons que Dieu lui-même nous purifie dans sa présence, que Dieu lui-même nous accepte dans sa présence. Il n'a pas dit pour l'amour de quelqu'un d'autre, mais pour l'amour de moi. Et c'est Dieu qui efface nos transgressions. Bien-aimés, revenons à notre Dieu, afin qu'il agrée notre prière pour l'amour de lui-même. Nous prions dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, tu es celui qui efface nos transgressions.
Oui, bien-aimé, il a dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Ah, bien-aimé, que pour son amour, à cause de son amour, que le Seigneur t'accorde le pardon, que le Seigneur nous accorde le pardon, qu'à cause de son amour, que le Seigneur efface nos transgressions, qu'il ne se souvienne plus de nos fautes, qu'il ne se souvienne plus de nos péchés, mais qu'il nous agrée dans sa présence, à cause de son amour, qu'il oublie les erreurs de notre jeunesse, qu'il efface les fautes de notre jeunesse, ah, qu'il oublie nos transgressions et qu'il nous agrée dans sa présence. Oh, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour pardonner et le sang de son fils Jésus nous lave de toute souillure. Que le Seigneur nous agrée lui-même dans sa présence par le biais du sang de Jésus. Que le Seigneur nous accepte, qu'il agrée le fruit de nos lèvres, qu'il agrée notre prière ce soir, ah, par le sang de son fils Jésus, le sang qui nous lave, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Auprès de lui, nous avons le pardon et la rémission de tous nos péchés. Sanctifie-nous, Seigneur, alors que nous venons devant ta face. Purifie nos cœurs, agrée les paroles de notre bouche. Ce soir, tendre Père, tendre Père. Oui, bien-aimé, nous voulons nous abandonner à la direction de l'Esprit. Que le Saint-Esprit vienne nous prendre en charge ce soir pendant que nous sommes en train de prier. Que le Saint-Esprit vienne prendre la place de choix. Que lui-même dirige ce culte. Que lui-même dirige nos temps de prière. Que le Saint-Esprit se saisisse de nous ce soir et nous aide à prier, et nous aide à prier. Oui, bien-aimés, élevons nos voix, demandons l'assistance de l'Esprit. Ah, molimo santo yako sunga biso, wana tozo bonde la moligami. Senga molimo akamba, que le Saint-Esprit nous aide, qu'il nous prenne en charge. La prière est une activité spirituelle. Nous voulons prier en esprit, selon la révélation que nous donne l'Esprit. Oui, bien-aimé, demande l'assistance, demande le soutien, demandons l'enseignement de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit se saisisse de nous, que le Saint-Esprit nous conduise. Ah, nous voulons prier. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Accompagne-nous pendant ce temps. Nous voulons prier selon la révélation. Viens nous prendre en charge par des soupirs inexprimables. Oui, Saint-Esprit, tu es celui qui transforme nos prières. Tu es celui qui transforme nos faibles mots en de prières ferventes devant le Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oui, bien-aimé, demande le soutien de l'Esprit. Ayakosuka, 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 molimo santo. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Qu'il vienne nous aider dans notre intercession ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Ce soir, que ta coupe de prière déborde. Alléluia, débordons-nous. Débordons-nous. Débordons-nous ce soir. Débordons-nous ce soir. Débordons-nous ce soir. Ah, molimo santo, ayako soyo en charge, qu'il te prenne en charge. Ayako souka, nous avons besoin de toi. Ah, bien-aimé, présente-toi devant le Seigneur. Dis, je suis là. Conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi, révèle-toi en moi. Ah, que ce temps de prière. Soutiens-moi, soutiens-moi, soutiens-moi. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens ton peuple. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Viens glorifier Jésus. Ayako Sunga, Ayako Sunga. Que ta prière
Que ta prière monte devant le Seigneur. Ah, que ta prière monte devant le Seigneur. Que le Saint-Esprit t'aide. Ayako Sungayo. Là, tu es en train de presser ton cœur. Là, tu es en train de presser ton âme. Le Saint-Esprit, il te fortifie. Il te tient par la main. Alléluia. Accompagne-nous pendant ce temps. Accompagne-nous pendant ce temps. Viens te saisir de nous. Viens te saisir de nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Ah, nous avons besoin de toi. L'orientation qui vient de toi. La force qui vient de toi. Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir. Nous avons besoin de toi. Ah, nous avons besoin de toi. Ah, Seigneur. Ce soir, bien-aimé, nous avons besoin de l'Esprit. Il est celui qui est capable de transformer ta prière de foi, aussi simple qu'elle soit. Elle est capable de la transformer afin de nous donner des grandes victoires ce soir. Le Saint-Esprit est capable de changer cette petite prière, mais faite avec foi. Il peut donner à ta prière une dimension que tu ne peux comprendre. La dimension de toucher le cœur de Dieu. La dimension de provoquer le miracle. Ta simple prière, faite avec foi, est capable de provoquer le miracle. Le Seigneur, il prend des choses simples. Des choses simples. Il peut le transformer pour des exploits. Le Seigneur s'est servi d'une mâchoire d'âne pour Samson afin de lui donner la victoire. Le Seigneur peut faire que ta simple prière déclenche le miracle. Que ta simple prière ce soir, faite avec foi, libère, parce que le ciel s'ouvre, libère quelque chose en ta faveur, un exaucement qui va marcher à ta direction. Oh, un exaucement qui va marcher vers toi. Le Seigneur est capable. Il a pris la pâte de figue et a guéri Ézéchias de son mal. Le Seigneur est capable, avec si peu, de faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que nous pouvons croire, à cause de la prière. La prière, ce moment privilégié où nous venons dans la présence de notre Dieu afin de voir les choses autour de nous être changées et transformées. Ah, nous voulons nous laisser conduire par toi, Saint-Esprit. Transforme nos simples mots en de prières ferventes devant le Seigneur. En de prières ferventes devant le Seigneur. En de prières ferventes devant le Seigneur. Ah, bien-aimés, nous voulons prier ce soir. Dans la première partie de notre prière, nous voulons prier. Nous sommes dans les livres de Juges. Juges chapitre 15. Juges chapitre 15. Le verset 18 et 19. Juges chapitre 15, 18 et 19. Je lis, j'ai la version Louis Segond. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit : C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léki et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source en Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léki. Amen. Bien-aimé, Samson, après cet exploit face aux Philistins, il eut soif. La Bible nous dit, pressé par la soif, Samson invoqua l'Éternel. Bien-aimé, je ne sais pas ce soir. Pour Samson, il avait soif de boire de l'eau simplement. Mais je ne sais pas pour toi ce soir, qu'est-ce qui est en train de presser ton âme?
Qu'est-ce qui est en train de presser ta vie? Pressé par la soif, nous voulons invoquer l'Éternel. Ah, bien-aimé, je ne sais pas quelle est ta soif ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de presser ton cœur. Cependant, j'aimerais nous inviter à élever nos voix et à invoquer l'Éternel. À invoquer l'Éternel. Oui, Anne était pressée par les insultes et les humiliations des Péninna et elle alla chercher Dieu à Silo. Je ne sais pas, bien-aimé. Ah, de quoi es-tu pressé? Mais invoque l'Éternel ce soir. Invoque l'Éternel par rapport à cette situation. Invoque l'Éternel. Oui, Samson invoqua l'Éternel et il cria à l'Éternel en lui disant, Seigneur, c'est toi qui as permis cette victoire. Laisseras-tu ton serviteur mourir de soif? Ah, ce soir, qu'une personne crie à Dieu. Je ne sais pas, bien-aimé. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Ah, le Seigneur qui t'a donné ce travail ne te laissera pas échouer devant ces dossiers. Crie à l'Éternel. Je ne sais pas quelle est cette situation qui te presse. Je ne sais pas. Est-ce la maladie qui te presse? Mais crie à l'Éternel. Samson a crié à l'Éternel et l'Éternel a répondu. Il a répondu et il a fendu l'eau du rocher. Ce soir, bien-aimé, par rapport à cette situation qui te préoccupe, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Le Dieu qui t'a donné ce travail ne te laissera pas échouer devant ce dossier. Ce Dieu qui a permis que tu étudies et que tu termines ton année ne te laissera pas dans le chômage. Le Dieu qui t'a donné ce mariage ne te laissera pas sans enfant. Il est celui qui a dit, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter. Le Dieu qui t'a donné cette grossesse la gardera jusqu'au bout. Oui, bien-aimé, crie à l'Éternel ce soir. Samson était pressé par la soif. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de presser ton âme ce soir, mais crie à l'Éternel. Oui, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres comptent sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons les noms de l'Éternel. Oh, bien-aimé, je ne sais pas. La maladie est en train de presser. La maladie est en train de ronger ton corps, mais crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Crie à Jéhovah Rapha, celui qui a la solution à ton problème, celui qui peut donner la guérison à ton corps. Oui, bien-aimé, prie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de déranger ta vie. Le Dieu qui t'a donné de grandes victoires, Samson l'a dit. Seigneur, tu as permis cette grande délivrance. Laisseras-tu ton serviteur mourir de faim? Laisseras-tu ton serviteur mourir de soif? Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Ah, celui qui t'a gardé jusque-là, celui qui t'a protégé jusque-là, ne laissera pas le coronavirus venir t'emporter. Celui qui t'a gardé jusqu'ici, celui qui t'a gardé jusqu'ici, ne laissera pas cette maladie venir t'emporter. Ainsi, bien-aimé, crie à l'Éternel ce soir. Crie à l'Éternel ce soir. Crie à Dieu ce soir. Qu'il fasse quelque chose en ta faveur. Qu'il fasse quelque chose en ta faveur. Ah, le Seigneur qui t'a donné, le Seigneur qui t'a donné cette position, t'abandonnera-t-il maintenant? Le Seigneur qui t'a conduit jusque-là, il ne te laissera pas tomber. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu de ton appel, ne t'abandonnera pas. Ainsi, bien-aimé, crie à Dieu par rapport à cette situation. Samson a crié à Dieu, Samson a crié à Dieu et Dieu a ouvert le rocher et l'eau est sortie. Ah, le Dieu qui nous a donné la République démocratique du Congo ne nous laissera pas être humiliés par les ennemis de notre paix, ne nous laissera pas être humiliés par les ennemis du Congo. Crie à Dieu ce soir, crie à Dieu ce soir, crie à Dieu ce soir, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Ah, ton âme va être ranimée ce soir. Ton âme va être ranimée ce soir. De la même manière que Samson a bu l'eau et son âme s'est ranima. Il leur reprit la vie. Ah, une personne est en train de crier à Dieu. Il a dit, celui auprès de lui se trouve le source d'eau de vie. Il est capable de rassasier ton âme. Il est capable d'étancher ta soif ce soir.
Oui, bien-aimé, crie à Dieu. Crie à Dieu ce soir. Je ne sais pas dans quel domaine. Ah, ils ont fait des projets contre toi. Mais le Seigneur n'a pas permis que tu meures. Et le Seigneur qui t'a gardé en vie, te laissera-t-il être humilié? Te laissera-t-il être humilié par tes ennemis? Le Seigneur interviendra. Il interviendra certainement. Ainsi, crie à lui, bien-aimé. Présente-lui ta situation. Samson avait soif et il a présenté sa soif à Dieu. Ah, bien-aimé, quelle est cette situation qui est en train de te presser? Quelle est cette situation qui est en train de te presser? Je ne sais pas quelle est ta soif. Peut-être tu as besoin d'argent. Peut-être tu as besoin de voir. Oh, le Seigneur t'accorder. Oh, cette situation, cette promotion. Crie à Dieu. Celui qui a fait de toi une aussi belle créature. Oh, ma sœur, ne te laissera pas, ne t'abandonnera pas. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce mari que tu attends depuis longtemps. Celui qui t'a créé, oh homme, ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. Il te donnera cette femme. Il te donnera cette femme que tu cherches. Il est celui qui nous donne ce que nous lui demandons. Samson lui a demandé de l'eau. Il a fendu le rocher. Il a donné de l'eau. Ah, pressé par la soif. Pressé par la soif. Il invoqua l'Éternel. Bien-aimé, invoque l'Éternel. Crie à lui, crie à lui, crie à lui. Il est celui qui entend. La Bible nous dit, dès que le malheureux crie à l'Éternel, l'Éternel entend. Il est celui qui entend les cris. Il est capable de distinguer ta voix. Il est capable de distinguer ta voix lorsque tu cries à lui. Ah, il sait que c'est ma fille Jeanne. Il sait que c'est ma fille Michel. Il sait que c'est ma fille qui est en train de crier. Il sait que c'est mon fils. L'Éternel est capable de distinguer ta prière. Il est celui qui écoute la prière. Ainsi, présente-lui ta soif. Le Seigneur est celui qui le fera. Il le fera pour toi. Il le fera pour toi. Il est la solution. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est la solution à tous nos problèmes. Et c'est la maladie. Et c'est la maladie. Ah, bien-aimé, Samson était au bord. Samson était fatigué. Et il a crié à Dieu. Il a dit maintenant, mais laisseras-tu mourir de soif? Ah, je ne sais pas, bien-aimé. Qu'est-ce qui est en train de menacer ta vie ce soir? Qu'est-ce qui est en train de menacer ta vie ce soir? Mais crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Il est capable de te délivrer. Il l'a fait avec Samson. Et c'est la vie, et c'est la santé, et c'est la maladie qui est en train de menacer ta vie. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Face aux menaces de l'environnement, face aux menaces de l'ennemi, l'Éternel est celui qui entend. L'Éternel est celui qui entend. Il va ranimer ton âme. Il va ranimer ton âme. Oui, tu vas reprendre vie. Tu vas reprendre vie. Tu vas reprendre vie. Tu vas reprendre vie. Ton esprit va reprendre. Ton esprit va se ranimer. Tu vas reprendre vie. Car le Seigneur fera pour toi. Il fera pour toi. Ah, celui qui a été avec toi ne t'abandonnera pas. Celui qui t'a créé, lorsque nous n'étions que des masses informes dans les ventres de nos mères, il nous connaissait déjà. Il ne nous abandonnera pas maintenant. Ah, celui qui a marché avec Israël pendant 40 ans dans les déserts ne l'a pas abandonné. Leurs vêtements ne se sont pas déchirés. Leurs chaussures n'étaient pas abîmées parce que l'Éternel était avec eux. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il interviendra toujours. Il interviendra toujours dans cette situation que tu traverses. Dans la maladie, il interviendra. Celui qui t'a appelé ne t'abandonnera pas. Celui qui t'a appelé ne te délaissera pas. Celui qui, oh bien-aimé, nous serions peut-être morts depuis le ventre de nos mères, mais le Seigneur est celui qui nous a gardés. Ainsi, quelle est cette situation dont le Seigneur va t'abandonner aujourd'hui? Il ne t'a pas délaissé. Lorsque nous étions perdus dans les péchés, il a donné son fils pour venir nous arracher des prisons de la mort et du péché. Il a fait de nous des hommes libres. Qu'en est-il pas capable de nous donner? Est-ce la guérison? Est-ce l'argent? Est-ce la délivrance? Est-ce un mariage? Est-ce la stabilité de ce foyer? Est-ce la stabilité de ton couple? Est-ce sont des projets qui réussissent? Est-ce un business? Le Seigneur est capable de nous l'accorder. Il est capable de nous l'accorder. Ce soir, nous voulons dire, Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi. Oui, bien-aimé, continue de prier. Continue de prier alors que la chorale est en train
d'entonner ce cantique. Toi, tu continues à crier à Dieu. Tu continues à crier à Dieu pour cette situation. Tu lui demandes son intervention. Qu'il intervienne. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Nous crions à lui ce soir. Je crie à toi. Nous crions à lui ce soir. Ah, bien-aimé, crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Je crie à toi. Pas à un autre. Crie à Dieu. Crie à Dieu, car il a la réponse. Alléluia. Nous crions vers toi. Nous tournons nos regards vers toi. Ah, que le Seigneur écoute ta prière. Qu'il distingue ton cri quand tu cries à lui. Qu'il entende ta voix. Celui qui a permis cette délivrance, il ne te laissera pas mourir. Celui qui t'a donné ce foyer ne le laissera pas être divisé. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu ce soir. Je ne sais pas, mais que ton cri parvienne jusqu'à lui ce soir. Je ne sais pas quelle est cette soif. Est-ce la maladie? Est-ce la peur? Crie à Dieu ce soir. Crie à lui ce soir. Il est celui qui entend. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel entend, l'Éternel entend. Oui, bien-aimé, crie à Dieu. Oui, expose-lui ta situation. Expose-lui ton problème. Celui qui t'a donné cette victoire. Ah, si cela ne dépendait que des hommes, tu serais mort depuis longtemps. Tu serais mort depuis longtemps. Si cela ne dépendait que des hommes, tu aurais quitté cette terre depuis longtemps. Mais le Dieu qui t'a gardé jusque-là, laissera-t-il cette maladie t'emporter? Laissera-t-il cette maladie t'emporter? Non, il ne laissera pas. Le Seigneur qui t'a créé, laissera-t-il tes ennemis se moquer de toi? Il est celui qui interviendra. Il ne t'abandonnera pas maintenant. Alors que tu ne le connaissais pas, l'Éternel ne t'a pas abandonné. Et bongo le loyo zo sambela, bongo le loyo yebiye. Le Seigneur te délaissera-t-il? Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas. Ah, que le Seigneur entende, que le Seigneur entende les cris qui viennent à lui. Oui, Agar a crié à lui. Agar ne voulait pas voir son fils mourir. Agar ne voulait pas voir son fils mourir. Elle est allée au loin. Ah, mais la Bible nous dit qu'un ange a dit, j'ai entendu les pleurs de l'enfant. J'ai entendu le pleur de l'enfant. Le Seigneur est celui qui entend. Le Seigneur entend. Il a entendu les gémissements, il a entendu les cris de l'enfant et le Seigneur a donné de l'eau. Ah, que le Seigneur entende ton cri, que le Seigneur entende ton cri, que le Seigneur entende ton cri et te donne ce qui contribue à ta vie et que ton âme, que ton esprit reprenne vie, que ton esprit se ranime, que ton esprit se ranime dans le nom de Jésus. Il a entendu les cris d'Israël, il a entendu les cris d'Israël en esclavage en Égypte et il est descendu pour les sauver. Que l'Éternel entende ton cri. Tu es en train de lutter avec la maladie. Que l'Éternel vienne te sauver dans ce problème. Que l'Éternel entende ton cri et que le Seigneur vienne te sauver. Que le Seigneur vienne te sauver. Nous ne voulons pas crier à un autre. Nous crions à celui qui a la solution à nos problèmes. Nous crions à celui qui s'appelle Je suis. Ah, bien-aimé, je ne sais pas. Peut-être c'est ta vie qui est menacée. Crie à celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Il est capable de te communiquer sa vie. Il est capable de te communiquer sa force. Il est capable, il est capable. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous pensons. Il est la solution à nos problèmes. Il est la solution à ton problème. Le Seigneur qui t'a appelé ne t'abandonnera pas.
Le Seigneur qui t'a créé ne te délaissera pas. Celui qui t'a fait d'aussi belles promesses, il est celui qui tiendra. Il est celui qui tiendra ses promesses. Il a dit, il le fera. Il a conçu, il l'exécutera. Demande à l'Éternel de réaliser ses promesses envers toi. De réaliser ses promesses envers toi. Il est celui qui fait. Il est celui qui réalise. Ses mains l'ont formé. Ses mains l'exécuteront. Le Seigneur réalisera. Celui qui t'a fait la promesse s'appelle fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il ne te délaissera pas. Il s'appelle fidèle. Il s'appelle fidèle. Il s'appelle fidèle. Il ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas tomber. Il ne nous laissera pas tomber. Ah, nous crions à Dieu ce soir. Et le rocher se fendra. Et le rocher se fendra. Ah, nous serons rafraîchis. Notre âme sera rafraîchie. Le Seigneur ramènera la vie là où il n'y a pas la vie. Ah, toi qui es malade, puisque tu es en train de crier à lui, que le Seigneur te communique la vie. Que le Seigneur te communique la vie afin que tu reprennes, afin que ton corps vive, afin que ton corps vive. Je suis en train de parler à cet organe qui est malade, à cet organe qui ne vit plus. Il reprend vie des sources d'eau. La Bible nous dit que le Seigneur a dit, vous tous qui avez soif, venez, venez. Il est la source intarissable. Je suis en train de m'adresser à cette maladie. Je suis en train de m'adresser à cet organe qui ne fonctionne plus. Il est en train de reprendre la vie maintenant. Ton esprit doit reprendre la vie. Ton esprit doit se ranimer. Car l'Éternel est celui qui fend l'eau du rocher. Je suis en train de m'adresser à un ventre qui n'enfante pas. Je suis en train de m'adresser à un ventre qui n'enfante pas. Tu reçois la capacité d'enfanter car l'Éternel est celui qui te donne l'eau qui va rafraîchir ce ventre. Je suis en train de m'adresser à un commerce qui ne prospère pas. L'Éternel est celui qui se pourvoit et tu reçois la capacité de progresser dans tes affaires. Dans le nom de Jésus. Ah, pour le Congo, le Dieu qui nous a donné la République démocratique du Congo, un pays si grand, un pays si beau, un pays si prospère, ne nous laissera pas être humiliés par les ennemis de la paix du Congo. Ne nous laissera pas être humiliés par les ennemis du Congo. Le Seigneur interviendra. Le Seigneur interviendra pour nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il ne te laissera pas tomber. Il ne nous abandonnera pas. Le Seigneur se glorifiera. 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 Ah, je suis en train de parler à une personne. Toi qui es en train de prier, toi qui es en train de nous suivre, toi dont les larmes ne cessent de couler. Le Seigneur, celui qui t'a donné cette promesse, il s'appelle fidèle. Ah, toi qui es en train de tenir ton ventre, ce ventre qui n'enfante pas, le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Il ne laissera pas des incirconcis se moquer du Dieu puissant. Il ne laissera pas sa gloire être bafouée dans ta vie. Il ne laissera pas sa gloire être vilipendée dans ta vie. Celui qui t'a donné cette promesse s'appelle fidèle. Il te donnera cet enfant. Il te donnera cet enfant. Sois-en rassuré. Il y a un quota de la réserve de Dieu, un quota de la bonté de Dieu qui le réserve pour toi et il le montrera au temps opportun et tout œil la verra.
dans le nom de Jésus. Bien-aimé, dans l'histoire de la Bible, où nous avons vu l'eau sortir du rocher, à Horeb, Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher et il en sortira de l'eau. À Kadès, le Seigneur a dit à Moïse, parle au rocher et il en sorta de l'eau. Dans le rocher de Samson, il a crié et les rochers s'est fendu. Ah, bien-aimé, Jésus-Christ, les rochers des siècles, le rocher de siècles. À Golgotha, lorsqu'il a été frappé, l'eau et le sang est sorti. Il en est sorti la délivrance, le salut, le pardon de péché. Alléluia. Et maintenant, nous voulons nous dire, Jésus, c'est toi les rochers de siècle. De la même manière qu'à Golgotha, l'eau et le sang est sorti. Jésus est le rocher sur lequel nous nous trouvons. C'est sur lui que nous voulons fonder notre assurance. Ainsi, nous voulons déclarer ce soir que, Seigneur, nous avons les regards tournés vers toi, que nous ne comptons que sur toi, les rochers de siècle. Nous savons que tu feras jaillir la délivrance. Oui, bien-aimé, élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Oui, parle à Jésus, le rocher de siècle, le rocher de siècle. Dis-lui, Seigneur, je ne compte que sur toi. Je ne m'appuie que sur toi. Parce que tu as dit, tu feras jaillir des fleuves dans la solitude. Tu feras jaillir des fleuves dans les déserts. Et moi, je compte sur toi. Ah, bien-aimé, dis que tu comptes à Jésus. Par rapport à cette situation que tu vis, nos regards sont tournés vers Jésus. Nous avons le regard tourné vers celui qui est le chef, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous voulons dire, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous voulons dire que nous ne regardons que toi, le rocher de siècle. Ah, bien-aimé, exprime ta foi devant le rocher de siècle. Exprime ta foi devant le rocher sur lequel nous nous tenons. Ah, nous nous tenons avec lui. C'est sur lui que nous voulons bâtir notre espérance. C'est sur lui que nous voulons bâtir notre foi. Oui, le Seigneur Jésus, il a déjà fait une fois à Golgotha. Il le fera encore et encore. Il le fera encore et encore pour nos vies. Il le fera encore pour nos vies. Ah, ce soir, nous crions au rocher qui est Jésus. Il en jaillira la délivrance. Il en jaillira la délivrance. Il est le Dieu de délivrance. Il s'appelle le rocher des délivrances de son peuple. Lorsque nous crions à lui, le Seigneur fera germer la délivrance. Il fera sortir la délivrance. Il est le rocher des âges, le rocher de siècles. Nous nous appuyons sur lui. Nous comptons sur lui. Nous comptons sur lui. Nous comptons sur lui. Ah, pour notre pays bien-aimé, nous voulons dire que nous comptons sur lui. Nous comptons sur lui, sur son intervention à lui tout seul. Alors que nous sommes en train de nous approcher de plus en plus vers la fin de ce mois, nous voulons dire, Seigneur, nous comptons encore sur toi. Le Dieu qui était avec nous le 1er juin, il est celui qui sera avec nous le 30 juin. Il est celui qui nous aidera à passer ce mois. Nous le croyons, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ah, nous avons crié à Dieu jour après jour, jour après jour. Nous avons vu sa main. Le Seigneur a contenu. Oh, les situations les plus compliquées. Nous avons crié à Dieu. Il nous a délivrés des locuteurs.
occupation. Le Seigneur nous délivrera encore. Celui qui nous a délivrés hier dans ce pays délivrera encore. Et sa volonté seule s'accomplit sur notre pays. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, en 98, nous avons vu ta main lorsque nous avons crié à toi. Tu nous as accordé une délivrance. Ah Seigneur, nous croyons encore en toi, que tu nous accorderas encore la délivrance parce que nous crions à toi. Parce que nous crions à toi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Tu sauveras encore, tu délivreras encore. Dans la vie de mon frère et de ma sœur, tu interviendras encore. Dans ce problème, dans cette maladie, tu interviendras encore. Tu interviendras encore. Nous avons confiance en toi. Nous avons foi en toi. Tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous délaisseras jamais. Jésus, le rocher de notre délivrance. Oui, Seigneur, nous venons boire auprès de la source qui est Jésus. La source intarissable. La source intarissable. La source de toute grâce. La source de toute grâce. Nous sommes comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Jésus, de lui nous tirons notre sève, de lui nous tirons tout ce dont nous avons besoin, de lui nous tirons la vie, de lui nous tirons ce qu'il contribue à notre vie. Ah, bien-aimé, nous avons crié à lui. Maintenant, nous voulons nous approcher de la source. Nous voulons nous approcher de la source qui est Jésus et le toucher par notre adoration ce soir. Nous voulons nous approcher de la source et nous abreuver. Abreuver nos âmes afin qu'il revive. Bien-aimés, adorons le Seigneur. Approchons-nous de la source, Jésus. Que ton adoration touche le cœur de Dieu. Ah, que ta vie soit une prière. Ce soir, que tout soit une prière pour le Seigneur. Pour le Seigneur, notre Dieu. Nous adorons la source intarissable. Lisibananios. Bien-aimé, adore le Seigneur. Approche-toi, approche-toi. Approche-toi. Devant le trône coule un fleuve. Devant le trône coule un fleuve. Approche-toi et bois. Alléluia. 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 Nous t'adorons. Alléluia. Jésus. Nous t'adorons. Rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la pierre principale. Ah, c'est sous cette pierre que nous voulons nous approcher. Jésus, Jésus.
Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élévons. C'est toi que nous élévons ce soir. Pas un autre, Seigneur. Nous t'élévons. Pas un autre. Jésus. Nous t'élévons au-dessus de nos problèmes. Nous t'élévons. C'est Jésus qui est élevé. Yeah.
te dire tout notre amour. Nous voici, Seigneur, dans ta présence, de tous nos cœurs, te dire tout. Notre Dieu, que nous t'offrions notre louange. Tu mérites, éternel, notre Dieu. Tu mérites, éternel, notre Dieu. Tu mérites, Seigneur. Alléluia. Tu mérites, Seigneur, notre Dieu. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites, Seigneur. Alléluia.
Nous voulons nous associer aux anges dans les cieux, aux 24 vieillards, aux êtres vivants, pour te dire tu es saint. Mélodie venue du ciel, un son doux et merveilleux, tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbrent ton nom. Ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont seconde partie de la prière. Toi, l'agneau qui est assis sur le trône. Nous gardons l'attitude de prière et nous invitons le révérend docteur Daniel Kawata pour la seconde partie. Rappelons de ce dont nous avons parlé la fois passée. Et c'est le Seigneur Jésus qui nous a promis que le Saint-Esprit va le glorifier dans nos vies. Donc nous sommes là pour continuer à prier dans ce sens-là. Que le Saint-Esprit glorifie le Seigneur dans nos vies. Que nos vies deviennent les terrains sur lesquels le Saint-Esprit vient glorifier le Seigneur qui a
sauver le monde, qui a vaincu le diable et qui est resté vainqueur jusqu'à ce jour, qui a reçu un nom au-dessus de tous les noms, pour qu'en son nom tout genou fléchisse et que toute langue déclare que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu notre Père. Donc celui qui doit être glorifié dans votre vie, c'est celui-là qui a vaincu, c'est celui-là devant qui tout genou fléchit, c'est celui-là que toute langue doit confesser. Il est le Seigneur à la gloire de Dieu notre Père. Alors nous allons prier le Seigneur et nous allons donc continuer notre prière. Je voulais vous exhorter en vous disant que la prière dépend plus de notre désir. En fait, la prière, c'est l'expression de notre désir. Lorsque nous avons un désir ardent dans notre cœur d'avoir quelque chose ou de faire quelque chose, nous exprimons cela avec foi, avec confiance. Nous allons obtenir cette chose-là, ce que nos cœurs désirent, ce que nos cœurs cherchent auprès du Seigneur. Alors davantage, je vais vous demander une bonne concentration. La vraie prière demande une forte concentration et nous puissions quitter tout ce qui est visible, physique, et nous nous concentrons sur ce qui est spirituel. Parce que là où tu fixes ton attention, ta vie sera affectée par ça. Imagine-toi, tu es à table, en train de manger un très bon repas que tu aimes beaucoup. À peine tu viens de manger, le téléphone sonne. Tu regardes le téléphone, tu prends le téléphone, on te dit, il y a tel ami que tu aimes qui vient de faire l'accident. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas enlever ton attention de la nourriture et tu vas tourner cela vers l'information qu'on t'a donnée. Résultat, tu vas perdre l'appétit. Même ce que tu voulais faire là va disparaître parce que ton attention est tournée vers là où on vient de te donner une grande formation. Mais supposons que tu regardes ton téléphone, tu dis, ah, je vais prendre ça après. Rien ne va changer ton appétit. Tu vas continuer à manger comme d'habitude. Donc tu vois que ta vie est influencée par là où tu concentres tes pensées. Et voilà, je vais vous donner un texte qui va nous aider à nous concentrer pour demander à Dieu ce que nous désirons. Alors concentre-toi. Sois devant ton Dieu. Il est esprit. Donc tu n'as pas besoin de voir une forme quelconque, mais de croire que quiconque s'approche de lui, lui aussi s'approche de lui. En Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Verset 26 à 27, la Bible dit ceci. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute le cœur, c'est ce à quoi tend l'Esprit. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède
pour ceux qui aiment ou qui appartiennent à Dieu. Donc le Saint-Esprit, il est en toi. Parce que tu as cru en Jésus. Jésus a dit, il prendra de ce qui est en moi et il vous le communiquera. Donc dans votre vie, vous aurez des choses qui viendront de moi parce que l'Esprit vous le communiquera. Alors la Bible dit, des fois nous ne savons même pas par où commencer et nous ne savons même pas prier, mais le Saint-Esprit, il peut détecter d'un côté notre désir. Il voit notre désir. Il sait peut-être que nous ne savons pas exprimer ça, mais il le voit. Et de l'autre côté, il peut transférer nos désirs auprès de Dieu, notre Père, qui regarde le cœur, de sorte que en présentant ses désirs, il puisse ramener dans nos cœurs ce qu'il a pris en Jésus par rapport à notre désir. Alors, nous allons nous concentrer. Nous avons dit que Dieu va se glorifier au travers de nos combats. Les combats que nous menons, Dieu veut se glorifier. Nous allons d'abord nous concentrer sur ce plan-là. Quel est le combat que tu es en train de mener ces jours-ci? Quel est le désir de ton cœur par rapport au problème que tu traverses? Réunis tous tes désirs devant toi. Dans ta santé, dans ton travail, dans ta famille, dans ton pays, dans ton service, dans tout ce que tu fais pour Dieu, tu as des désirs que tu vas exprimer devant le Saint-Esprit pour qu'il amène dans ta vie ce qu'il te faut. Il prendra ça à partir de Jésus-Christ et il te communiquera. Est-ce que tu peux répéter après moi? Au nom de Jésus, répète après moi. Au nom de Jésus, ma vie présente et remplie du Saint-Esprit. Je veux vivre ce que le Saint-Esprit va manifester dans ma vie. Je veux vivre les réponses, les solutions que le Saint-Esprit prendra en Jésus-Christ et il va me le communiquer. À partir de maintenant, mes problèmes seront remplacés par des solutions. Parce que si je vis dans mes problèmes, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi avec ses solutions dans ma vie. Et je crois que le Saint-Esprit va prendre les solutions qui sont en Christ et il va me les communiquer. Alors maintenant, commence à prier. Dis au Saint-Esprit, voici mon besoin dans tel domaine. Voici mon besoin dans tel autre domaine. Commence à citer domaine après domaine. Tu lui dis, voici mon désir. Je désire être rempli continuellement du Saint-Esprit. Ça, c'est mon désir. Je désire avoir la victoire sur ma crise matérielle qui est en train de me menacer. Je veux avoir dans ma vie la force de résister aux tentations. Je veux avoir dans ma vie le courage
de partager Christ à d'autres personnes. Je veux avoir dans ma vie la capacité de pardonner, de comprendre les autres, de patienter lorsque les choses ne marchent pas. Parle, parle, parle à l'esprit. Exprime ton désir. La Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, ça va vous combler, ça va vous couvrir. Commence à citer les désirs de ton cœur. Confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Pendant que tu exprimes ton désir, tu dois croire qu'il a quelque chose en Jésus qui va te donner. Que ce désir-là peut être comblé et sera comblé en Jésus-Christ. Parce que la solution est en Jésus-Christ. Tu vois déjà la solution. Tu vois déjà comment ta vie va changer avec cette solution-là. Cet esprit-là qui te menaçait ne te menacera plus. Parce que le problème de ta vie est en train d'être changé par la solution qui est en Jésus-Christ. Commence à voir. Pendant que tu pries, commence à saisir par la foi la situation contraire de ce que tu étais en train de vivre. Parce qu'il est écrit, lorsque tu pries, crois que tu reçois. Crois que tu reçois. Vois déjà ces choses-là se réaliser dans ta vie. Saisis ces choses. Je sens qu'il te faut la paix. Parce que tu es troublé, ne sachant pas de quoi l'avenir sera fait. Saisis cette paix. Parce que celui qui est avec toi, il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Projet de bonheur et non de malheur. C'est pas le malheur qui t'attend demain, c'est la gloire de Dieu qui t'attend demain. Saisis cela. La peur du lendemain doit disparaître. Des inquiétudes basées sur ta situation matérielle doit être balancées en sachant que cette fois, Dieu va te sortir de cette crise. Il va te sortir de la crise. Pendant que tu pries, saisis une chose après une autre. Selon les désirs de ton cœur. Dieu veut se lever devant les désirs de ton cœur. Il y a un psalmiste qui a dit: de la même manière qu'une biche soupire auprès des eaux, c'est comme ça que moi j'ai soif de toi, Éternel. Ma vie est remplie de mauvaises idées. Quand je réfléchis, je ne vois que des malheurs. Je ne vois que les négatifs. Je ne vois que des malédictions. Je ne vois que des oncles. Je vois une famille limitée. Je vois des choses bloquées. Mais je me tourne mes regards vers toi. J'ai soif de ta présence, de ta puissance, de ton autorité.
Oh, plusieurs chefs ont régné dans ma vie. La malaria a régné dans ma vie. Les maladies de tout genre. La crise a régné et m'a remis jusqu'à 0 dollars par mois. Je ne vois même pas les francs. Viens régner dans ma vie. Avec ta main puissante. Avec ta bénédiction. Oh, je veux te voir. Au travers des différents aspects de ma vie. C'est ça le désir de mon cœur. Exprime-toi devant Dieu. Et commence à regarder différemment ta vie. Parce que lorsque tu exprimes tes besoins, le Saint-Esprit, il transfère tes prières. La Bible dit que même si tu ne sais pas comment tu dois prier, lui interprète ta prière. Et il va auprès du Père. Il dit, il mérite qu'on lui donne cette chose-là. Et il va prendre en Christ ce pouvoir qui est là. Et il va te le communiquer. Il y a des gens, sans avoir parlé à Jésus, il savait prendre ce que Jésus a fait. Une femme qui avait le problème de sang a retiré le pouvoir de guérison, au travers de Jésus, juste en touchant son habit. Mais toi, tu ne touches pas son habit. Tu as le Saint-Esprit qui est devant toi, qui t'entend, qui interprète tes intentions. Même ce que tu ne sais pas dire, lui le voit. Oh, ouvre ton cœur et commence à lui donner accès à tous les aspects de ton cœur. Et qu'il exprime tes besoins devant le Père. Exactement comme Jésus disait. Que veux-tu que je fasse pour toi? Aujourd'hui, tu ne vas pas entendre cette question. Parce que tu as un consolateur. C'est lui qui parle à ta place. Et on lui pose la question. Que veux-tu que nous fassions pour lui ou pour elle? Et c'est lui qui répond. Il doit se marier. Elle doit avoir des enfants. Il a un souci du travail. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y a dans ta vie un autre consolateur qui est venu t'accompagner? Aucun problème ne sera perdu. Tous ces problèmes seront transférés et la solution à chaque problème devra arriver. Ça, c'est le terrain de tes besoins de tous les temps. Tu dois t'approcher toujours avec confiance, sachant qu'en Jésus il y a la provision de toutes choses et qu'il y a le Saint-Esprit qui est dans ton cœur, qui va juste prendre ce qui est en Jésus, exactement comme le pouvoir a quitté le corps de Jésus et passé par l'habit pour toucher la femme. Aujourd'hui, ça ne passe pas par un habit. Dieu, le Saint-Esprit, il communique ça. Il n'a même pas besoin de voyager. Même si théoriquement on dit qu'il va aller chez Jésus prendre, il ne voyage pas. Dieu est unique et il est. Il est seul en trois personnes. Donc le changement est automatique. Le transfert est automatique. Jésus a dit, celui qui m'aime et qui garde mes paroles, mon Père et moi, nous viendrons faire notre démarche. Donc le Saint-Esprit en toi représente aussi le Père et le Fils qui vivent en toi. Donc c'est automatiquement qu'il va te communiquer cette chose-là.
Et tu dois croire qu'il n'y a pas un temps où il doit voyager pour chacun de nous. Oh, chacun, autant de milliards et de milliards que nous pouvons être, il fait la même chose au même instant à chacun de nous en train de recevoir sa part. C'est pourquoi je déclare reçois ta part de bénédiction par rapport au désir de ton cœur. Par rapport au désir de ton cœur. Par rapport au désir de ton cœur. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit. Yahweh Oyapesaka. À toute forme de problème. Tourne tes regards vers lui. Enlève tes pensées sur le chômage. Mets ça devant l'esprit. Est-ce qu'il peut te garder dans le chômage? Il va changer la nature du chômage. Parce que dans le chômage, il va te démontrer qu'il est le Dieu qui peut t'amener dans la terre promise. La deuxième chose, tu restes concentré dans la prière. Maintenant, tu vas penser à ta personnalité et ta relation avec ton Dieu. Il y a des choses que tu dois vivre dans ta vie. Dieu doit se glorifier par rapport à cette relation que tu as avec lui. Maintenant, tu vas réfléchir sur un certain nombre de relations et exprimer tes désirs par rapport à ça. Et que le Saint-Esprit glorifie le Fils dans ta vie. Je te donne des exemples. David savait que l'Éternel était son berger. Et il avait un rapport de brebis et berger par rapport à Dieu. Et vous savez ce qu'il a dit? Vous connaissez ce psaume-là? Quel était le désir de son cœur? Le désir d'une brebis qui est complètement satisfait par son berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les eaux paisibles. Il me fait asseoir dans les verts pâturages. Il oint d'huile ma tête, même devant mes adversaires, même devant la vallée de l'ombre et de la mort. Comme je suis sa brebis, je suis sous sa dépendance, sous sa protection. Et je ne manquerai de rien. Et à cause de ça, tu exprimes ton besoin devant Dieu pour dire, comme je suis ta brebis, fais de sorte que je ne manque de rien. Viens glorifier Christ dans ma vie afin qu'on me reconnaisse comme la brebis de Jésus-Christ. Si je suis son serviteur, alors viens glorifier Christ dans ma vie avec tous les dons, avec toute la puissance pour qu'on reconnaisse que je suis son serviteur. Car il a dit, je suis la lumière du monde. Il a dit que je suis le sel de la terre. Il y a des choses que je dois utiliser pour affecter mon environnement et ma génération. À ma qualité d'enfant de Dieu, à ma qualité de serviteur de Dieu, à ma qualité de brebis du Seigneur, à ma qualité de bénéficiaire de l'Éternel El Shaddai, l'objet de sa protection. À ma qualité de soldat dans l'armée du Seigneur, à ma qualité d'un membre de l'armée du Seigneur, à ma qualité du témoin de Jésus-Christ. Il y a plusieurs qualifications de ta vie. Tu ne sauras pas tout prendre. Tu vas prendre une ou deux de ces qualités-là. Et nous allons prier le Seigneur. Tu peux prendre celle de témoin.
dire, il t'a choisi comme témoin. Il est écrit, vous aurez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et tu veux que Dieu se glorifie dans ta vie en tant que témoin du Seigneur. Il y a des choses qui ne reflètent pas que tu es témoin du Seigneur. Quand tu regardes ta vie, j'ai dit non, les gens ne peuvent pas envier cette vie. Alors demande à Dieu, bénis ma vie de sorte que elle témoigne que tu m'as béni. Il y a un jeune homme qui a prié comme ça. Jabet avait prié. Je ne veux pas être le témoin de la malédiction de ma famille. Je ne veux pas être le témoin de l'imitation de ma famille. Je veux être le témoin de la bénédiction de l'Éternel. Commence à prier. Avance dans la prière. Parce que le Saint-Esprit va prendre ce qui est en Christ et il va te le communiquer. Commence à lui dire, je veux refléter la vie d'un vrai témoin. Témoin de la guérison. Témoin de la provision. Témoin de la délivrance. Témoin de la puissance. Témoin de la gloire de Dieu. Du Shekinah de Dieu. Exprime-toi. Et le Saint-Esprit, il s'est exprimé ce besoin-là devant le Père qui lui voit les intentions de l'Esprit. Donc tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui interprète vraiment, qui te comprend très très bien et qui t'accompagne pour bien exprimer ça dans le langage de Dieu. Tu ne connais pas le langage divin, mais lui, il est Dieu. Il parle le langage divin. Il va transférer tes sentiments, en un langage divin, afin de prendre ce qui est en Christ, qui doit satisfaire à tes besoins, et il vient te le communiquer. Maintenant tu veux prier. Maintenant tu peux avancer. Regarde ce besoin là. Regarde cette relation. Un témoin sans version de ce qu'il a vu ou entendu n'est pas un témoin. Donc tu dois vivre la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, pour que tu témoignes de cela. Exprime cette soif. Dis-lui, je veux des expériences dans ma vie qui démontrent que tu me sauves, que tu me bénis, que tu me délivres, que tu me libères. Je ne veux pas témoigner en ayant mal au cœur, parce que moi-même j'ai tant de problèmes dans lesquels je ne vois pas la main de Dieu, mais je veux être soutenu pour être un vrai témoin, disant des choses que moi-même j'ai vécues par la puissance du Saint-Esprit agissant dans ma vie. Oh, exprime ton besoin de voir cette puissance-là agir dans les différents domaines de ta vie. Prie, prie. Prie.
Inonde mon cœur. Tondisa motema nangai. Inonde mon cœur. Tondisa motema nangai. Il y a trop de vide dans mon cœur. Ba polé les alliés belé na katia motema nangai. Il y a trop de poids dans mon cœur. Ezana kilo penza na katia motema nangai. Je veux me décharger auprès de Jésus. Pour que l'esprit inonde mon cœur de la joie, de la paix, de l'autorité, du souffle de vie, de la gloire de Christ. Hallelujah. Tu es en train de faire cette prière-là. Chantons et nous prions en même temps. Tozo yemba pe tozo sambela mbala moko. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Esprit Saint. Inonde mon cœur. En toi. Remplir ton cœur. A coton de sa moté manayo. Pendant ce temps, le Saint-Esprit te remplit de ce que ton désir a cherché. Il te remplit. Si tu avais besoin de la joie, si tu avais besoin de l'amour, de la paix, de l'assurance, il te remplit de ça. Si tu avais besoin de puissance, il te remplit, même si tu ne sens pas, mais il te remplit de ça. Si tu étais comme un pneu dégonflé, il est en train de pomper, il est en train de pomper, de remplir ta vie de force. Oh, il y a des choses devant lesquelles tu doutais facilement. Mais maintenant, tu ne douteras plus. Parce qu'il est en train de renforcer ta foi. Il est en train de renforcer ta capacité de résister. Et quand il remplit ta vie, la peur n'a plus de place. Le doute n'a plus de place. Rempli. Azotondisayo. Il t'est rempli de lui-même. Azotondisayo na yemoko. Il t'est rempli de gloire. Azotondisayo na kembo. Ta vie était remplie de honte. Bomo ino etondisama ki na soni. Rempli de problèmes. Etondisama ki na makambo. Mais il veut te remplir de la gloire qui manifeste la présence de Dieu. Qui montre ici Dieu est là. Que Dieu est là. Maintenant je commande dans le nom de Jésus que toute puissance démoniaque, maléfique qui séjournait à côté de ta vie pour t'embrouiller à cause de problèmes, de filer au nom de Jésus-Christ.
Maintenant que ta vie est en train d'être remplie, ça, c'est les petits démons qui viennent souffler sur tes problèmes, comme des mouches viennent sur la plaie, sont en train de fuir. Parce que Dieu est en train de te guérir de tous les mauvais souvenirs, les blessures que tu avais, en train de te guérir, des injustices que tu as subies, il est en train de te guérir de cela. Maintenant ouvre ton cœur. Là où tu sais que tu as été blessé, là où tu sais qu'on t'a fait du mal, commence à distribuer tes pardons et commence à recevoir ton avenir avec gloire. C'est ça qui fera que tu ne rentres plus en train de voir dans tes rêves les choses du passé. Les choses d'avenir vont commencer à se manifester dans ta vie. Ouvre ton cœur. Laisse-le extirper tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Tous les mauvais souvenirs, souvenirs d'échecs, de défaites, les choses que tu as exprimées devant Dieu, que Dieu puisse enlever. Ces choses-là avaient régné en toi et t'avaient laissé de mauvais souvenirs. Maintenant tu enlèves ces mauvais souvenirs. Tu es en train de dire, parce que je suis sa brebis, les puissances du mal ne pourront pas me nuire, parce que mon berger prend soin de moi. Avant, j'avais l'impression que j'étais orpheline, que j'étais orphelin. Mais maintenant, je crois que Dieu m'accompagne. Il sera avec moi. Je ne veux plus revivre les choses que j'ai vécues là, parce que Dieu me donne la force de surmonter et de voir mon avenir différemment. Commence à exprimer le désir de ne plus vivre ton passé, de vivre ce qui est à venir, que ce qui est à venir s'installe déjà dans ta vie et commence à ordonner ta manière de réfléchir. Demande à Dieu de couper le passé, de détruire le passé, le mauvais souvenir du passé, que ça soit noyé et que tu te concentres sur ton avenir. Il y a plusieurs choses du passé qui te distraient, plusieurs défaites t'empêchent de faire le nouveau pas, plusieurs déceptions envahissent ta vie. Ton mariage risque d'avoir des problèmes parce que les conflits des anciennes relations rompues sont encore en train de continuer jusque dans ton mariage. Les mauvais souvenirs du passé continuent à travailler dans ton cœur. Tu risques de perdre ce travail-là parce que les attitudes du nouveau chef te rappelle l'ancien chef qui t'a fait partie du travail. Demande à Dieu de rompre les mauvaises expériences du passé pour que tu vives les nouvelles choses. Tu as perdu des grossesses et tu penses que celle-ci aussi risque de partir. Non, Dieu va rompre le passé et t'accorder un avenir. C'est ça que tu demandes. Que Dieu se glorifie dans ta vie par des nouvelles choses, parce qu'il est le Dieu des nouvelles choses. Les choses anciennes ont passé et des choses nouvelles doivent s'installer, parce que tu es témoin de Dieu. Je sens que Dieu veut faire disparaître ton passé pour te concentrer dans l'avenir. Oui.
Tu es entré dans une maison de location. Et tu sens les gens de la parcelle exactement comme là où tu étais avant. Non, les choses vont changer. Dieu veut te faire passer vers l'avenir. Et que le passé disparaisse. C'est que tu pries pour ces choses-là. Changer le temps, il ne faut pas suivre mon temps. Alléluia. Le nom de Jésus. Il est doux. Il enlève le courroux de Dieu. Il enlève la colère de Dieu. Parce que nous voulons sortir de cette prière avec des choses que le nom de Jésus nous a apportées par le Saint-Esprit. Parce que Jésus veut nous voir vivre notre vie avec des choses qui viennent de lui. Tu es comme un enfant. Quand le papa te regarde, il voit que la chemise là, la blouse là, c'est lui qui a acheté ça pour toi. Ça fait la fierté. Quand on t'admire à l'extérieur, lui retire la gloire. Dieu veut te voir avec des choses qu'il a remplies dans ta vie, des pouvoirs spirituels, des dons spirituels, des capacités spirituelles, des bénédictions matérielles et spirituelles dans ta vie, pour que ça attire les gens et que ça leur arrache l'admiration de celui qui bénit ta vie de cette manière-là. Alléluia. Oh, alléluia. Le nom de Jésus est si doux, le Dieu des âmes.
es en train de te concentrer sur le nom de Jésus. Tu vas apprendre à éliminer les noms des problèmes pour concentrer ta vie sur le nom de Jésus. Tu vas demander au Saint-Esprit de faire régner le nom de Jésus dans tes pensées. De faire inculquer le nom de Jésus dans ton système de raisonnement. Dès que tu as un problème, Jésus. Yes. Ah, même si ce problème peut trouver des solutions ailleurs, développe tes pensées pour tourner tes regards vers Jésus. Dis-lui, c'est toi la source de ma vie, c'est toi la source de ma force, de ma victoire, c'est toi ma vie. Adore-le. Dis-lui qu'il est la source de ta vie. Et dès qu'il y aura un problème, il y a dans ta vie la solution. Cette vie-là, elle est celle de Jésus-Christ. Que tu puisses connaître la dimension de la vie que Jésus met à ta disposition. Il a prié son père. Et il a dit, Père, je te glorifie parce que tu m'as envoyé pour donner la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Quand tu expérimentes le salut, la délivrance, la provision qu'il y a en Jésus-Christ, et tu es en union avec le Père, le Saint-Esprit te gardera dans le cercle de la victoire. Commence à dire, la chose que j'ai demandé, elle est en Jésus. Et désormais, je vais vivre ça. Le travail, je l'ai eu en Jésus-Christ. Je vais entrer bientôt. Ce mariage-là, je l'ai eu en Jésus. Bientôt. Ces enfants-là, je les ai obtenus en Jésus. Ce ministère-là, la puissance que je cherche, elle est en Jésus. Je l'ai saisi et je servirai Dieu avec une onction particulière. Commence à voir et déclarer les choses que tu as demandées. Commence à les déclarer que je les verrai, je les vivrai parce que je les ai reçues. Cite au moins deux ou trois choses que tu as demandées à Dieu et confesse ça en train de dire cette chose-là, je l'ai eu. Et je proclame que je vais vivre ça bientôt. C'est pour que cette chose s'arrange dans les jours qui viennent pour répondre à ta déclaration. Parce que Dieu a donné à ta bouche la possibilité d'appeler dans ta vie les choses que le ciel t'a déjà données. Alors appelle dans ta vie les choses que le ciel t'a déjà données. Le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi. Il vous l'annoncera. Et il me glorifiera. Je prie que le Saint-Esprit glorifie le Seigneur au travers de tes besoins, en te donnant des réponses, en faisant de toi un vrai témoin de prières exaucées. Que tu sois un homme, une femme dont les prières ont été
été exaucés et sont toujours exaucés. Que des grands problèmes de la vie ont été pris en charge. Et que dans ta vie, on sait voir se manifester des choses qui reflètent la gloire de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Te mette l'incolo ma boku. Gloire au Seigneur. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre temps de prière. Pendant que vous êtes en train de donner les offrandes dans les maisons, nous sommes en train de prier pour que la bénédiction de Dieu se manifeste et se matérialise dans vos maisons, dans votre travail, dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons rappeler également le numéro M-Pesa pour les offrandes, les 08 55 0, mais aussi le Airtel Money, le 05 115 pour ceux qui le peuvent. 08 55 0 pour le M-Pesa, les 05 115 pour le Airtel Money. Et pour ceux qui ne peuvent pas le faire par le Mobile Money, prière de vous rapprocher de vos délégués des cellules qui se chargeront de prendre votre offrande et de nous le transmettre. Il y a un diacre qui s'occupe de ça à la paroisse. Nous voulons également rappeler la prière communautaire de 20h30 à 21h, la prière de tous les jours, mais aussi les déclarations de chaque matin pour proclamer la bonté, la fidélité de notre Dieu, ainsi que sa volonté sur notre nation, la République démocratique du Congo. Nous rappelons également l'exercice de notre prière à jeun. Nous la clôturons aujourd'hui donc par la prière du pasteur. Et nous voulons également donner les annonces et les actions de grâce que nous avons aujourd'hui. Nous avons un seul anniversaire aujourd'hui. Il s'agit de la sœur José Vunza, qui rend grâce à Dieu pour ses nombreux bienfaits dans sa vie, notamment en lui accordant une année de plus aujourd'hui, vendredi 26 juin 2020. Que la gloire revienne à notre Seigneur et la sœur joint à cette action de grâce une enveloppe. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à la sœur José Vunza. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous rappelons le pasteur pour la bénédiction finale. Il faut dire au mois de juin que nous allons le consommer jusqu'à la fin dans la paix du Seigneur. Tu dois déjà commencer à dire ça, que le mois de juin, tu vas le consommer jusqu'à la fin avec la paix du Seigneur. Parce que c'est ton droit. C'est ton droit de réclamer, c'est ton droit de vivre ce que ton cœur désire. Dans ton propre pays, il est écrit, saisis le pays. Possède le pays. Fais confiance à l'Éternel et tu posséderas le pays. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce qui s'est dit sur notre pays, nous avons le devoir de le bénir et il ne deviendra pas ce que les gens pensent, il deviendra ce que nous pensons. Donc le temps est venu pour qu'on commence à dire, oh notre pays comment? Non, commençons à dire ce que nous voyons, nous voulons voir et nous le verrons s'accomplir. Donc bénissons notre pays, bénissons notre Dieu pour nous l'avoir donné et imposons son règne dans ce pays jusqu'à ce que, comme il est écrit, votre lumière va poindre, votre justice va briller comme la lumière de midi. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Tu es ainsi béni dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée.